Au niveau des semelles orthopédiques, on a différents effets souhaités. À savoir qu'on a l'effet passif. Ici, voici une semelle passive, la semelle classique qui est très rigide et qui bloque le pied sur toutes ses composantes, arche interne, arche externe, arche antérieure. Bon, on a aussi une correction à l'arrière-pied pour dévalgiser la sous-astragalienne. Et dans ces composantes, bon, on a trois effets possibles, deux effets dans l'effet passif. On a l'effet plâtre, c'est-à-dire que c'est une semelle qui est très rigide et qui va limiter complètement les amplitudes, et on a l'effet Minerve, c'est une semelle qui sera semi-passive, donc qui va limiter partiellement les amplitudes. Troisième effet, c'est l'effet actif, où on appelle ça un effet guide, donc c'est la semelle active qui guide le pied dans des amplitudes qui sont plus physiologiques finalement, mais sans le bloquer. Donc cet avantage ici, c'est qu'on ne va pas créer de déficience musculaire, alors qu'ici, si on le porte trop longtemps, automatiquement on crée une déficience, comme par le port de Minerve ou le corset, enfin, tous les appareillages, on va dire, orthopédiques qui immobilisent ont l'inconvénient sur le long terme de créer une déficience musculaire parce que les muscles ne travaillent plus. Vous soutenez le cou, vous enlevez une Minerve après 6 mois, bon, ben, c'est certain qu'après la musculature, elle sera déficiente. Au niveau du pied, on a le même phénomène. Donc là, l'avantage, on va dire, d'un système actif, c'est qu'on peut le coupler pour les gammes professionnel, on peut le coupler donc à un ajout d'éléments, mais ça j'y viendrai après, pour les rendre aussi passifs. Alors au niveau MG, bon, Williams en 2003 a testé sur des semelles orthopédiques passives, il a testé électromyographiquement un jambier postérieur et il s'est rendu compte que plus on soutenait un pied, donc il a augmenté de 15 et 30 degrés une correction de semelle orthopédique. Et il s'est rendu compte que plus on augmentait la correction, et plus la musculature, moins la musculature travaillait, finalement le jambier postérieur, plus le pied est soutenu, et plus ce jambier postérieur va fainéantiser, donc moins il va travailler. Et son activité peut diminuer jusqu'à 4 fois. Ceci donc peut expliquer qu'un muscle, qu'un pied, on va dire, va s'améliorer dans une composante pathologique. Donc s'il y a une aponevrosite, s'il y a une tendinite du jambier postérieur, automatiquement on va bloquer le pied, il peut cicatriser, c'est intéressant, mais la séquelle sur le long terme, c'est la déficience musculaire, parce que si on garde des semelles trop longtemps qui bloquent le pied, ben, c'est le coup de la Minerve, on créera une insuffisance musculaire. En électromyographie, on voit un exemple en haut où on voit l'activité dans une pronation tardive ou une éversion tardive, donc on constate que l'activité est importante, mais dès le moment qu'on va mettre une semelle qui va bloquer, l'activité va nettement diminuer.